Il a banalisé l'homme. Il a banalisé sa parole. Il dit, moi j'ai une seule chose dans ma tête. C'est ma guérison. Si je dois mourir, c'est après. Mais là où je suis là, Dieu, tu as me guéri. Je ne me suis pas confié un fétiche. Je ne me suis pas confié à une idole. Moi, je t'ai pris. Tu as quelqu'un qui dit mourir. Moi. Alors, eh Dieu, je suis Ézéchiel. Ézéchias. Quand il a commencé à parler, Dieu va parler à Esaïe pour dire retourne dans la cour. Alléluia. Il faut repartir. Dis à Ézéchias, c'est moi. J'ajoute 15 années si sa vie vient même. Changer ta vie. Ne dis pas que c'est sa volonté. Si tu vas mourir, c'est pas maintenant. Parce que quand il t'attend pour mourir, c'est manquer de ton corps. Ça ne glorifie pas Dieu. Donc tu vas parler à Dieu. Pour lui dire la situation, non, non, pas son nom. Amen. Tu sers un Dieu de gloire. Tu sers un Dieu de gloire. Tes ennemis ne doivent pas avoir raison sur toi. C'est pas eux qui ont manqué de toi. Donc il faut que Dieu change ton histoire. Quand Ézéchiel a commencé à parler, le même Esaïe qui est venu parler la mort, revient lui dit que non, tu sais, il y a 15 années encore, Dieu dit va acheter ta vie. Amen. Amen. Si vous acceptez facilement, ça dit, tout dépend de toi. Moi, il est obligé d'agir. Parce que j'aurai des paroles à dire au Seigneur. Je ne t'ai pas suivi. Moi, il dit, si Jésus ne fait pas miracle, je ne suis pas. Moi, tu ne fais pas miracle. Je ne fais pas suivre. Si tu ne faisais pas miracle, moi, Crasso, je vais te suivre. Tu ne peux pas résoudre mon problème. Il faut que tu aies toi. Mais je ne vois pas, il n'a jamais vu le ciel. Moi, je suis malade. Guéris-moi. Voilà. Et c'est comme ça que Dieu m'a changé. C'est la beauté de Dieu. C'est pour ça que je suis l'islam. Alors, Jésus va aller au ciel. Mon histoire, et tu changes. C'est ça. Ta foi. Ta foi doit faire descendre Dieu. Ta foi doit faire descendre Dieu. Qu'il veut ou pas, qu'il doit descendre. Regardez la femme cananéenne. Elle s'approche de Jésus pour sa délivrance. Jésus dit, ma femme, moi je suis même pas venu pour vous. Les cananéens. Voilà. Quand les chiens mangent, elle dit, mais quand les chiens mangent là, les miettes qui tombent là, quand les patrons mangent plutôt, les patrons, ce qui tombe là, nous les chiens normalement ils sont mangés. Jésus l'a regardé, Jésus l'a compris, elle dit chien, Jésus l'a compris. Jésus, je n'ai jamais vu une fois comme ça. Jésus voulait la décourager. Elle a persévéré. Et puis Jésus l'a changé. Tu n'es pas venu ici pour faire une histoire. Les bavardés à côté, ça ne t'intéresse pas. Ceux qui m'ont dit à côté ne te va pas t'intéresser. Il faut regarder seulement. Je vous assure, c'est une réalité de miracle. Je vais vous enseigner beaucoup de choses. L'autorité et le pouvoir des chrétiens. Comme ça, toi, n'importe qui viendra plus parler sur toi comme ça. Moi, le jour où tu vas parler sur moi, et puis il dit c'est de moi qui parle. Et puis il dit oui, tu es quoi? C'est fini. J'ai envoyé un esprit contre toi. Il y a des choses que je vais vous enseigner. Mais oui. Qui envoie les esprits en Égypte? Alors là, dans l'Égypte, qui envoie? Quand les Égyptiens, Pharaon parlait beaucoup, qui envoyait les esprits? Alors là, dès là, vous parlez pas où? Celui qui envoie 10 plaies. Moi là, maintenant, il faut au combat.
Et puis il a envoyé l'esprit de mort. Le homme de Dieu fait, mais il y a d'abord. C'est pas ça? Quand Moïse a vu ça, il a dit, Pharaon a dit, pardonnez, allez-y. C'est pas ça? Après, si ton Dieu ne fait rien, dans l'avant, on te prend pour ça faire rien. Si ton Dieu fait rien, il va te prendre pour ça faire rien. Je vous enseigne le pouvoir et l'autorité du chrétien pendant cette transition. Pourquoi doit marcher? Plusieurs promesses, pourquoi doit marcher? Vous montez toutes les techniques. Pourquoi d'abord? Mon ami à propos. Oui. Parce que Dieu te considère. Tu as retourné la nasigi là quand tu l'as fétiche là. Tu vas te montrer toutes les techniques. C'est pour toi d'abord. Maintenant, si toi tu es bien servi, maintenant les à côté vont parler. Je vous enseigne tout ça. Parce que ça est dans Jésus. Est-ce que vous ne savez pas? La dernière fois j'ai enseigné ici, j'ai dit, vous ne savez pas que vous avez anti-bal? Ils sont donnés, oui. Esaïe 54, verset 17. Écoute, Esaïe, tout arbre, non, faites ou te faire du mal, ma version, ne te fera aucun mal. Lisez-moi ça. Ils sont donnés. Asseyez-vous. J'ai dit, moi, pour prendre le revolver, mais ça, si moi, ça ne sonne pas. C'est grammaire, mais un arbre. Fais! Hein, il y a. À Fresco, le plus grand sorcier, Kobo Inyawa Gitombe, le plus grand sorcier de Zegreboué. Lui tue les gens, ça c'est pas amusement. Il a tiré sur moi. Je l'ai regardé, il m'a regardé. Je mets ma main dans ma poche. Il tremble comme une feuille. J'ai dit merci. J'ai gilet anti-bas spirituel. Tu sais pas ça? Que lui il prend bien. Esaïe 54, verset 17. Amen. Amen. Vous, la Bible, vous avez là, vous savez pas que c'est un pouvoir. Là, la Bible, là, la tête est pour vous jouez avec un trésor. Oh, là, qui nous n'aime pas, non, vous jouez avec beaucoup de choses. Là, du camion, il est là, il trempe. Il dit, si toi, tu m'avais tué, quand j'ai monté au ciel, Dieu va me rendre compte. La Gonia dit ça, je vais la Bible. Il fait ici sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. La parole doit s'accomplir dans ma vie. Moi, je fais sa volonté. Tu es malade? Tu es malade? Il tremble. Je vous enseigne ça ici. Je dis, qu'est-ce qui s'est fait sur toi? Moi, il y a un là. Rien. Moi j'ai pris 9 jours. J'ai 9 jours où j'ai semé cette parole dans ma vie. La parole est une sémence. Il est dans notre Golosé. Marc 4, verset 16. Non, 14. Marc. Et le semeur sème là. Et le semeur sème là. La Bible, vous voyez là, c'est trop. Moi, prends lance, prends calage, prends. Si Dozo, ça rentre pas Dozo. Mais qu'est-ce qu'il y a dit? Où tu mens, où tu dis la vérité? On vit en lui, il n'y a pas de mensonges. Mais c'est tout. Mais vous pensez le ciel? Mon âme était, vous partez au ciel seulement. Je m'en vais au ciel. Vous voulez aller au paradis? Donc ça vous intéresse pas, protection. Si je mets aujourd'hui, je m'en fous, je mets au ciel. Non, moi, il y a des morts, je ne dois pas mourir bizarre. Non. Toi, tu es possédé, braqueur, tu vas venir devant ma porte. Je vais t'envoyer un démon. Oui. Oh, je vous enseigne beaucoup de choses. Amen. Quand vous lisez la Bible, vous n'avez pas vu, ils ont écrit sur les réseaux dedans. Moi, je dis la Bible, vous avez appris ça. C'est les expédients dans la démonologie. Marie de nuit, d'autres dit Marie de nuit, d'autres dit femme de nuit, voilà. D'autres dit femme esprit, Marie esprit. Amen. Il y a des choses à vous apprendre. Il y a des démons.
Qui te dit le nom de ce démon là? Hein? Quand tu l'envoies contre quelqu'un, il lui donne cancer des os. Moi, tu as affaire à moi, je vais te terrasser. Vous me regardez. Mais tu dois être dangereux. Il en a pas. Mais le chrétien est dangereux. Il en a plus grave. Tu es dangereux. Tu as le pouvoir de lier et de délier. Tu as le pouvoir d'ordonner. Et ça rentre dans ton esprit. Mais tu es dangereux. Ce pouvoir là, tout le monde n'a pas ça. Tu as le pouvoir de lier et de délier. C'est un grand pouvoir. Et puis tu jouais ça. Un baraque va venir devant toi. Ce jour là, tu vas connaître celui qui est à moi. Amen. C'est ce que je vais enseigner pendant la retraite. Je vais vous équiper pour que les gens aient peur de vous. Qu'ils vous craignent. Celui qui vient mettre un fétiche chez vous, le fétiche retourne contre lui. Quand vous devez aller consacrer une maison, qu'est-ce que vous devez faire pour que celui qui viendra mettre quelque chose, que ça retourne contre lui? C'est ça que je vais vous enseigner. Je vais vous équiper en enseignement. Il faut qu'on ait peur de vous. Moi, je dis peu importe le temps. Mais ça va t'attraper. Peu importe le temps. Mais ça va, c'est qui est dit là? Ça va te rattraper. Nous sommes maîtres des esprits. Vous savez pas ça? Quand vous lisez la version hébraïque, la Bible ne dit pas que Dieu fait de toi un chrétien, il fait de toi un esprit. Amen. Vous êtes là, les petits enfants vous mangent. On vous attache dans l'arbre. Toi, tu chicotes. On te donne un, tu manges. Aujourd'hui, là, tu ne manges pas, on te crève. On te met sur gel. Tu es mouton, là-bas, on te met sur gel. Tu as faim, tu fais. Bête, tu vas te chicotes. La Bible dit nous devons dominer la sujetie. Dieu dit que c'est toi qui domineras sur tout. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qui domine? Tu dois dominer ton environnement. Tu rentres dans ton magasin, ça marche. Tu dois rayonner. Mais oui, parce que le Dieu Elohim est toi. Et la Bible dit qu'il nous a donné la clé. Mais la clé, c'est pour ouvrir les portes. Je vais vous enseigner des mystères, des choses. Vous allez comprendre que c'est pas. Mais il y a trop de choses que vous avez besoin de connaître. On nous parle. J'ai dit aux gens, c'est vrai. Nous, les prophètes, nous ne sommes pas là pour dire. C'est vrai que c'est important. Il ne faut pas pécher, il ne faut pas coucher avec la femme de son camarade. Ça ne nous intéresse pas. Quand le professeur de Histoire Jo, il va enseigner Histoire. Professeur de mathématiques, c'est comme ça. Chacun a son enseignement. Les pasteurs vont nous dire, il ne faut pas pécher. Nous, on vous enseigne les clés. Donne-nous les révélations de comment entrer en possession de certaines choses. C'est ça que la Bible dit dans 2 Chroniques 20:20. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Nous avons la clé de la réussite. Mais oui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes les enfants du royaume. Dis amen. Amen. Vous êtes les enfants du royaume. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Je ne vous entends pas parler. Vous êtes les enfants du royaume. Amen. Alléluia. Non, la réussite du enfant est arrivée. Jésus s'est vidé de son sang. Il dit tout est accompli. Amen. Il y a beaucoup de choses que je vais vous enseigner. Amen. Tu as peur à moi. Tu as eu problème. Je te dis la vérité. Tu as peur à moi. Tu as eu problème. Oh non, mais je m'en fous de toi. Je vais. Mais tu viendras un jour. Tu mets en genoux. Amen. 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 À moins que je te laisse. Il faut que je te montre qui je suis. C'est pas fait de garder rancune. C'est quelque chose que tu as touché à l'interdit.
David n'a pas osé toucher à Saül. Mais David est dans la parce qu'il savait que Saül était loin. Mais c'est la bonne chose d'attendre. On ne va pas toucher comme ça, hein, loin. Mais la bonne chose, on cause de repos. Voilà, toi, t'es loin, et puis quelqu'un vient jouer comme ça à toi. La bonne chose, mais où tu es mort. Je montre qui tu es. Pourquoi il a ballon. Mais c'est ça. Le voilà. On vous enseigne pas le pouvoir de votre autorité. Le pouvoir ne joue pas. Jésus dit, je vous donne le pouvoir pour marcher. Voilà. Vous devez marcher sur. Tu es dans un quartier. Le démon du quartier doit reconnaître qu'il y a un oin là dans le quartier. Moi je rentre dans le quartier, je dis, oh, t'as tous les démons. Un vol, de braquage, oui, oui. Que désormais, je suis dans le quartier. Oui. Si vous voulez braquer, ne venez pas ici. Amen. Mais oui, parce qu'il y a un moins ici. Il y a un moins. Vous savez pas que vous avez une bénédiction. Celui qui vous bénit est béni. Celui qui vous maudit est maudit. Parce que vous êtes Israël. Amen. Celui qui a fait la roue, le ciel est fermé, c'est lui. La Bible dit que nous sommes dans la même nature qu'Élie. Élie a le pouvoir de fermer le ciel. Comme Dieu le ciel, il a joué ça. Vous avez ce pouvoir. Mais vous dormez avec ça. Vous avez le pouvoir d'ouvrir le ciel comme de fermer le ciel. C'est ça la Bible dit dans Jacques. Nous sommes de la même nature qu'Élie. Élie l'a fermé. Il a l'unique. C'est comme ça. Vous avez la vie. Vous avez un pouvoir. Vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité, vous avez quelque chose d'important avec vous. Et vous jouez avec ça. Votre entourage ne voit pas ça. Prenez quand vous ouvrez les yeux. Amen. L'ignorance est la plus grande des maladies. C'est la plus grande des maladies. C'est pour cela que vous avez besoin de la connaissance. Il faut qu'on vous enseigne. Amen. Il faut qu'on vous enseigne beaucoup de choses. Vous prenez vos Bibles et vous vous regardez. Vous ne ressemblez à rien. Chaussures, la même est cassée. Tu es bancal, forcé. Qui marche comme ça. On est grave. Tu dis, Seigneur est merveilleux. Quel Seigneur est merveilleux? Moi, je ne crois pas à ton Seigneur merveilleux. Amen. Veste la mandat robe de nuit, ça arrive au temps dont je n'ai pas. Veste, je vais mettre pour. On est robe de nuit. Ici, elle est même. Chemise la mandat robe. Je travaille, Voilà, robe. À vous, il me. Colle la main déchirée. Chemise à main, il n'y a plus de jus dedans. On voit tous les fils. Regardez Dieu, vous voyez. Le Dieu qui bénit est mon papa. Toi. Dieu bénit est ton papa. Tu mens. Mais c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Tu dois être un témoignage. Moi, j'ai pas peur. Amen. 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 Non, parce que je sais qui est avec moi. Un féticheur, quelqu'un qui a fétiche, n'a pas trop peur. Moi, je sais qui est avec moi. Non, pas drôle, moi, il y en a. C'est l'éternel des armées. Moi, il y a un gamin. Et toi, tu apprends le braquage. Le monnaie, tu apprends physique. Ça, si ça résonne, Dieu va démissionner du ciel. Il est là-bas, où est-ce que tu as dit que tu as dit que. Aujourd'hui, la parole de Dieu soit sémée en toi. Et qu'elle produit des effets. Si la Bible dit que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses effets. Quelqu'un se lève contre toi. Lui, il tombe. Il va tomber. Il est qui? Il est là. Dieu est toi? Mon alabopré. Toi, tu as béni. Le monnaie. Prends un pistolet. Je ne connais pas. Je te dis ti. Je n'y a pas là. Je te dis ti. Je n'y a pas là. Si c'est rentré dans mon corps, je suis ton Dieu. Toute âme. Allons-y dans ma version. Toute âme faite. Oh, j'ai trop de bonnes paroles. Je vous ouvre beaucoup des yeux. Tu as fait commerce à marcher. C'est ce que tu as dit là. Je te dis ça. Vous êtes là, vous êtes chrétien, on prend même pas vous. Vous ressemblez à des gens bizarres. Bizarre. C'est les démons bizarres là qui vont chez vous. Vous êtes content, c'est qui vous dites. Allons-y, regardez, écoutez très bien.
Écoutez, avant d'y venir, aucune arme faite pour t'attaquer ta voix. Ne peut te faire de mal. Non, bien, je peux arriver là. Bon, comme nous. Là, dit ta voix, elle est où? Alors, 17. Il s'est interprété à ce que aucune arme faite pour t'attaquer ne peut te faire de mal. Aucune arme faite pour t'attaquer ne peut te faire de mal. Alors, et si quelqu'un veut t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. Amen. Amen. Allons-y. Je vais vous donner toutes les techniques qu'on t'a. Voilà la part que réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Mes serviteurs, c'est ta part. Voilà comment je leur rends justice. Voilà comment je leur rends justice. Moi, le Seigneur, je le déclare. Moi, je le déclare. Hein, pour dans la version, la vraie version hébraïque, on dit Ora de l'Éternel. Ora, c'est lui, la mission cachée. Et ça, ce qu'on a là, oh bien, aucune arme, on est d'accord, les hommes, du mal, aucune arme, lance-roquette, pistolet, quoi, on a nous tous, quoi, Amen. Amen. Pendant que les gens tremblaient, Élisée a dit, restez tranquille, il y a une armée avec nous. Élisée lui a connu prier, mais restez tranquille. Pas besoin. Pas besoin. Cette armée là, elle est plus puissante que vous. Non, et tu vas ouvrir les yeux. Mais d'abord, l'amour ça les a baisés. Vous n'avez pas eu tort d'accepter Jésus. Amen. Vous avez eu raison d'accepter Jésus. Je vous enseigne beaucoup de choses. Amen. Je vois que maintenant je dois vous enseigner des choses.